Dévotionnel quotidien du lundi 7 décembre 2020. Thème: la foi pour l'enlèvement. Verset d'ouverture. En un instant, en un clin d'œil, à la dernière trompette. La trompette sonnera. Et les morts ressusciteront incorruptibles, et nous serons changés. 1 Corinthiens 15, verset 52. Ce n'est pas tout le monde qui entendra le son de la trompette. Il ne sera audible que pour les chrétiens qui sont déjà morts en Christ et pour ceux qui seront vivants en ce moment-là. Tous les autres ne l'entendront pas, parce que le son de la trompette ne sera entendu que par la foi. Ce n'est pas quelque chose que vous allez vous efforcer à entendre, parce qu'en étant que chrétien, vous vivez déjà par la foi. Tout ce qui concerne votre vie et votre relation avec Dieu et par la foi. Par conséquent, vous allez l'entendre. La Bible dit: c'est par la foi qu'Enoch fut enlevé, parce qu'il ne vit point la mort et qu'il ne parut plus. Hébreux 11, verset 5. Il a été enlevé par la foi. Donc, avec votre foi en Jésus-Christ, vous n'avez rien à craindre. Soyez rassurés que quand la trompette sonnera, vous l'entendrez. Comme lu dans notre verset principal, le son de la trompette se produira plus rapidement que le claquement de votre doigt. En un clin d'œil, nous partirons d'ici et soudain, nous serons au ciel. Tout chrétien devrait s'en aller durant l'enlèvement. Alors cela signifie que quiconque ne prendra pas le premier vol n'était pas en train de vivre pour le Seigneur. Maintenant, votre foi devrait être vivante et vous devrez vivre pour le Maître chaque jour. Marchez dans l'amour et dans la justice. Focalisez-vous et préparez les autres pour l'enlèvement et pour le royaume de Dieu. Confessons ensemble. Oh, quel jour de réjouissance ce sera quand le Maître viendra. Aujourd'hui, je marche à la lumière de sa parole et de mon salut, étant engagé dans la poursuite de l'expansion de son royaume, cherchant par-dessus tout la domination et le règne de son royaume sur la terre et dans le cœur des hommes. Amen. Étude approfondie de la Bible. Hébreux 11, versets 5 à 6. 1 Thessaloniciens 4, versets 16 à 17. Lecture de la Bible en un an. Jude et Daniel 9 et 10. Lecture de la Bible en 2 ans. Apocalypse chapitre 9, versets 1 à 10. Et Amos chapitre 7.
C'était Rhapsodie des réalités du pasteur Chris Oyakhilome. À la lecture, Landry Keno. Merci pour votre attention. Que Dieu vous bénisse. Amen.